vie, sage utilisation de la technologie peut avoir des effets. Donc, lorsque je trouve une vidéo que je trouve intéressante, ce que je veux faire, c'est l'ajouter à une liste de lecture. Donc, la liste de lecture va m'aider à retrouver la vidéo un peu plus tard, puis même les organiser. Donc, ça va me sauver du temps en salle de classe pour pouvoir présenter différentes vidéos ou juste partager vraiment une liste de lecture. Donc, ce que je vais faire ici, c'est une vidéo de Marc-André Lalonde sur l'évaluation. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux créer une liste de lecture. Donc, je vais descendre ici et ajouter à. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une liste de lecture qui va s'intituler « Pédagogie ». Et voilà, on va ajouter à la liste de lecture. Donc, je peux voir ici qu'il y a une petite heure, tandis qu'ici, j'ai une liste de lecture qui est privée. Celle-ci veut dire qu'elle est publique. Donc, pour voir mes listes de lecture, je vais ouvrir le menu de YouTube et je vais aller à Bibliothèque où je vais voir toutes mes listes de lecture et je peux cliquer sur le nom de la liste de lecture pour avoir accès aux paramètres de la liste. Donc, je peux rendre cette chaîne non répertoriée, mais tout de même la partager ou l'avoir privée vraiment pour pas qu'elle n'apparaisse sur ma chaîne et que seulement je puisse la consulter. Donc, dans ce cas-ci, je vais la laisser publique. Donc, voilà, nous avons une liste de lecture. Maintenant, ce que je vais faire, je vais trouver une autre vidéo que je pourrais ajouter à cette liste de lecture. Donc ici, je vais ajouter une de mes vidéos préférées à la liste pédagogie. Donc voilà. Et en allant voir cette liste, maintenant je peux réordonner les différentes vidéos. Donc si j'en avais plusieurs, je pourrais les mettre dans l'ordre que je veux. Et je peux consulter les listes de lecture aussi sur ma chaîne. Donc je peux voir comme celle-ci apparaît seulement pour moi. Donc voilà, j'ai des listes de lecture. Je vous invite donc à vous créer des listes de lecture par thème ainsi que par niveau d'études. Merci!